Yeah! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Hier, j'ai réalisé une clé USB de réemploi Emmaubuntu Debian facile. J'ai envie de vous montrer ce qu'elle comporte parce que réaliser une clé ainsi, je pense que c'est arrivé une seule fois auparavant. Et pourquoi je veux vous montrer ce qu'elle comporte? Parce que c'est une clé USB d'une capacité de 64 Go. Et bien souvent, quand je réalise une telle clé USB, donc d'une capacité de 64 Go, c'est parce que la moitié est déjà utilisée par exemple, un fichier .zim pour pouvoir utiliser Wikipédia hors ligne. Et ce fichier .zim, souvent, eh bien, prend déjà la moitié de la capacité de la clé. Mais sinon, une partition FAT32 de 20 Go pour les images ISO, et le restant, une partition X4 de un peu moins de 40 Go qui comporte l'entièreté des clones. Donc nous allons réveiller la machine. Allez, relax dans le fauteuil. Mais avant, nous allons réveiller le Dell Optiplex T3500. Alors, je viens de lancer AnyDesk et je viens de prendre le contrôle donc du HP Elite 8300. Alors, je lance le gestionnaire de fichiers. On peut voir quoi? On peut voir que les deux partitions de la clé sont bien montées. Première partition, multisystème. Deuxième partition, image. La partition multisystème comporte, entre autres, hein, CloneZilla. Ici, CloneZilla architecture 32 bits. Pourquoi? Parce que sur cette clé, il n'y a pas d'UEFI. Il y a uniquement de l'architecture 32-64, mais pas du 64 UEFI. Donc, on utilise CloneZilla architecture 32, plus les images ISO de toutes les distributions live. OK? Sur la partition image, qui est la partition EXT4, se trouve quoi? Se trouve l'entièreté des clones, donc comme je l'ai dit, 32 et 64 bits, pas de 64 bits UEFI. Se trouvent également les deux scripts .sh, donc clone.sh et partid.sh. Donc, bien penser à les rendre exécutables. Et se trouve quoi? Se trouve un document PDF qui va vous permettre de pouvoir utiliser cette clé convenablement. OK? Donc, on peut voir que c'est une clé bien remplie. Hein. En parlant de bien remplie, je vais lancer donc l'utilitaire de disque GNOME. Voici notre clé de 64 Go 62. Attention, après formatage, en fait, c'est 57-58 Go effectifs. Oui, oui, on perd énormément. OK? Je pense que c'est ça, de souvenir, de tête. On peut voir la partition FAT 32, 21 giga, donc 20 giga effectifs, 83,7% occupé, donc il reste 3,4 giga de libre, donc sur les 20 giga. Partition XT4, la voici, 41 giga, donc 40 effectifs, 82,3% occupé, donc il reste 7,2 giga de libre, donc sur les 40. OK? Je vais lancer VMware Workstation. Je vais utiliser une base DEB 64 bits. Voilà. Je peux. Donc j'ai bien serré donc l'utilitaire de démarrage, donc Plop Boot Manager. Je peux démarrer la machine virtuelle. Voilà, je peux ensuite choisir la clé USB, si ça veut bien.
Voilà, magnifique. Alors, qu'avons-nous? Nous avons Clonezilla. On en a besoin, hein. Donc, comme je l'ai dit, architecture 32 bits. OK. Pas besoin de Clonezilla architecture 64, puisque on ne joue pas avec des clones 64 bits UEFI. Alors, ça, eh ben, c'est pour lancer le script donc automatisé, donc pour pouvoir procéder à une installation au travers des clones. OK, on va voir ça après. Alors ici, nous avons donc DF ISO, architecture 32. OK, donc c'est pour lancer DF ISO en live. Ensuite, nous avons en dessous toutes les sous-entrées, donc démarrer en mode sans échec, procéder à une installation en mode expert, procéder à une installation en mode simplifié. Attention, on passe à DF ISO architecture 64. Donc démarrer donc l'ISO live, même chose, les sous-entrées, mais cette fois-ci donc pour l'architecture 64 de DF Linux, DF ISO, DF Linux. Je pense que j'ai dit DF ISO tantôt. Donc mode sans échec, installation mode expert, installation simplifiée. Et attention, voici, voilà, on arrive à l'entrée qui concerne Mabuntu DE3, je vais même aller plus loin, la 1.04 architecture 32 bits. Là, il n'y a pas de sous-entrée. Pour avoir accès aux sous-entrées, voilà. OK. Je reviens en arrière, je descends. Ensuite, Mabuntu DE3 1.04 architecture 64 bits, même chose, je valide pour entrer Winter pour avoir accès aux sous-entrées. Et si on descend encore plus bas, ah oui, c'est une clé vraiment bien complète, hein. Nous avons Mint 20.1 architecture 64, nous avons Mint 20.1 Mate architecture 64, et puis nous avons Mint 20.1 XFCE architecture 64. OK, en dessous, ne faites pas attention, ce sont des utilitaires. Alors si je veux lancer on peut lancer une image live, hein, si vous voulez que je vous montre que ça fonctionne. Allez, lançons par exemple DF Linux architecture 64 bits. Je vais passer en full screen. Ce sera plus agréable pour vous. Voilà, c'est génial. Donc, ce qui veut dire que, oui, c'est une clé USB de réemploi, donc qui est à utiliser au travers d'un script automatisé, donc et des clones, mais grâce aux images live. Donc déjà, vous pouvez vous assurer que le matériel sera bien reconnu, mais vous pouvez également procéder à une installation de type classique au travers des images ISO. OK. Donc, ce que je fais, j'arrête, je redémarre, donc je choisis l'entrée USB. Cette fois-ci, nous allons sélectionner l'entrée numéro 2, hein, qui est l'entrée la plus intéressante, installation automatisée. Yeah, admirez-moi ça. Nous avons le choix
entre 11 clones. Alors, je vais essayer de faire simple. Donc déjà, architecture 32-64 bits, pas de 64 bits UEFI. Et dans les clones, nous avons deux clones de DF ISO. Donc le clone 32-8, le clone 64 bits, attention, clone FR, pas clone OEM. Concernant donc Emabuntu, nous avons architecture 32-64 bits, clone FR, architecture 32 et 64 bits, clone OEM, et nous avons également donc deux autres clones OEM pour Emabuntu, mais des clones un peu spéciales, ce sont des clones modernes desktop, donc ce sont des clones de l'Emabuntu de 3.0.4, mais avec un visuel un peu, on va dire, plus moderne. Et puis ensuite, nous avons quoi ? Nous avons les clones de Linux Mint, donc eux uniquement en 64 bits, et ce sont des clones OEM, donc Linux Mint, on va dire la normale, hein, environnement de bureau Cinnamon, donc en 20.1, Mint 20.1, donc Mate, et Mint 20.1 XFCE, donc pour Mint, donc du 64 bits uniquement, et ce sont des clones OEM. Ok ? Je ne mets jamais DF ISO à l'honneur, mettons DF ISO à l'honneur. Je vais choisir donc DF ISO 64 bits, donc l'entrée numéro 8. Voilà, je valide, je confirme par oui, encore une fois, et on laisse faire. Mais que demander de mieux. Allez, bye bye.